j'atteins le point le plus austral de mon odyssée. Je ne suis qu'à 150 km de l'équateur. J'ai fait le tour et maintenant je vais remonter vers le nord pour la première fois. Après avoir dégusté quelques serpents, le plus pétillant des aventuriers doit parcourir 1800 km de voies ferrées. Mais attention, en première classe s'il vous plaît. Autour du monde en 80 jours, samedi 25 à 21h40. Rejoignez-nous dimanche à 15h pour les dimanche 25 août, dimanche 12 dimanche, dimanche après le film. En direct 12h40 les deux courses. Tour de chauffe dimanche. Arrêtez de blaguer là, oh putain. Vas-y, papa. Chaque dimanche à 22h15, tour de chauffe. Trois petits coups et la revoilà. Non, pas une minute, non. Vous êtes Amanda. Oh, je suis vraiment soufflée. Oui, le public a commencé par la chahuter, mais alors à la troisième chanson, alors là, elle les a eues complètement. Mon quadrilène, je respirais plus quand le tour très tranchelle. L'irremplaçable Amanda brûle les planches lundi 27 à 20h35. Qu'est-ce qui t'amène? Le bruit court que tu as écrit tes mémoires. Oh, tes mémoires. On se demande vraiment qui ça peut encore intéresser de nos jours. Donne-moi le feu vert, je te décroche tout de suite Limoges. Folle. Folle Amanda. Il n'y en a pas deux comme... Oh oh. Le centre commercial Avant-Cap vous présente la météo. Centre commercial Avant-Cap, le bien-être, tout est là. Bonsoir, une tendance hivernale plus sensible dans les premiers jours de la semaine prochaine. Quelques signes de ce changement de temps, déjà, vont apparaître pendant ce week-end. Ça vous donne une idée? Non? Alors on continue. Sur la région du Languedoc-Roussillon, les nuages les plus épais vont s'éloigner provisoirement de la plaine languedocienne et des Cévennes. Le temps redeviendra plus incertain pour dimanche. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le littoral, des nuages et quelques éclaircies. Dans l'intérieur, un temps agréable demain en plaine et en montagne et quelques flocons de neige. Dimanche après-midi, à moyenne altitude sur les versants est. Sur la Corse demain, la présence d'un vent d'est à sud-est plus modéré que les jours précédents, un temps assez ensoleillé sur la Corse occidentale, quelques averses peut-être attendues sur les versants est des monts de Corse, c'est un risque. Sur la France, les températures en légère baisse, mais elles resteront supérieures au normal demain. Attention aux nombreux brouillards en plaine, surtout de l'est, au centre et au sud-ouest. Enfin, sur l'Europe, accentuation du froid en Russie et sur l'Europe orientale avec quelques chutes de neige, un temps de fin d'hiver et un ciel plutôt nuageux sur les îles britanniques jusqu'à la Scandinavie et sur le nord de l'Europe. Pour terminer chez vous, sur le territoire de Belfort, un temps couvert et brumeux sans froid. Dans le Pas-de-Calais, un petit peu de brouillard et un petit peu de fraîcheur, c'est vrai, 7 degrés. Dans les Yvelines, grisaille, légère baisse de la température. En Indre-et-Loire, à Lariche, un temps clément malgré la présence de quelques nuages. Et enfin à Laon, dans l'Aisne, un temps maussade et frais, 7 degrés. Demain, c'est la conversion de Saint-Paul, le soleil se lèvera à 8h03 pour se coucher à 17h39. Passez un très bon week-end. Le centre commercial Avant-Cap vous a présenté la météo. Centre commercial Avant-Cap, le bien-être, tout est là.